Entre Magny et Simon, la balle est récupérée et regardez bien l'extraordinaire travail des deux Nantais. Magny, puis Simon, puis Magny et Magny qui marque, mais vraiment le but doit être accordé aussi bien à Simon qu'à Magny. Lennox qui centre, McBride contrôle, place un tir terrible contre lequel Castel ne peut absolument rien. Voici donc quel était le score à la mi-temps, un but partout. Eh oui, très belle action. Et Budzinski a été à deux doigts de marquer contre son camp. Mais c'est finalement Chalmers qui réussit le troisième but sur un très joli centre de son ailier gauche, Lennox. McBride, meilleur buteur de l'équipe. Longue ouverture, vous voyez, c'est ses passes dont je vous parlais tout à l'heure. Johnston qui va se mettre en position de tir. Ouh là là, que c'est dans hors-jeu. Hors-jeu.